Comment nous y est? Ma pense que nous avons quelques explications là sur cause Brésil-Venezuela. Je dis à nous pas arrêter dans la machine parce qu'il y a un pile chaleur, mais obligé de checker un petit pied bois là pour nous rester en balle. Et qu'est-ce qui a passé entre Brésil et Venezuela, messieurs dames? Et comment c'est une grand pression dans cause là? Et il faut nous dire pour nous expliquer bien. Dossier problème conflit en dit comme ça entre Lula et Nicolas Maduro a commencé depuis juillet 2024 là messieurs dames. Nous connaît après citoyen ça qui c'est Lula qui pral élu président dans pays Brésil qui ça te pral faire c'est chercher colonie pour être capable arriver traiter quelques dossiers parmi eux il te pral choisir Nicolas Maduro et il te pral prendre pays ça qui c'est Cuba pour le demander les États-Unis pour retirer sanctions sur lui. Les États-Unis étaient prêts à retirer une sanction sur commercial alors sur Cuba, ils étaient prêts à retirer une bagarre sur Venezuela. Côté Venezuela même, les États-Unis étaient prêts à retourner commencer prendre du gaz dans Venezuela, etc. Là tout, Brésil était prêt à inviter citoyen ça qui c'est Nicolas Maduro pour venir là. Moi t'ai dit nous ça déjà, m'étais parlé de ça avec nous déjà. Côté opposition Brésil là, était prêt à le péter coquin et demander pour arrêter citoyen ça qui c'est Maduro. Ça pas privé fait et Lula te pral prendre tout gros frappe ça messieurs dames côté opposition pral voyer un paquet de demandes de cassation de pouvoir citoyen ça qui c'est Lula. Et bien malgré tout bagarre ça le président Lula pral prendre engagement pour supporter citoyen ça qui c'est Maduro avec tout peuple Venezuela. C'est une bagarre monsieur toujours dit il pas supporter Maduro mais supporter peuple Venezuela. Bon nous connaissons politique. Et bien qu'est-ce qui pral passer messieurs dames? Président Lula avec Maduro avec reste monde là, yo pral signer un accord côté Maduro pral permettre gain élection libre et libre dans pays Venezuela. Et monsieur dame ça te pral signer un accord et te pral mandé pour international là capable visiter élection qu'a fait dans pays ça. Et bien ça qui pral être fait monsieur dame élection dans pays Venezuela passé Jean le passé a avant même élection en fait Maduro te pral déclarer si li pa rive élu comme président Venezuela, Venezuela tourner ben descend, gen ben descend dans pays Venezuela. Nous te parlé de question ça déjà. Eh bien qui ça pral passer là monsieur dame? Maduro pral gen élection, eh bien c'est NE qui c'est conseil électoral la Cali pral accepter Maduro gagner parce que tout moun sa yo fait un seul. Et puis Brésil même qui pral joindre opposition là cap tek li, Brésil pas reconnaître gain citoyen ça pas reconnaître victoire citoyen ça qui c'est Maduro. Le Maduro pral comprendre ça pral tande ça pral commencer faire quelques petits frappes. Brésil pral dire pour accepter reconnaître élection ça résultat faut Maduro bail pour ses verbal ça va jamais arriver fait. Eh bien mauvaise chance pour Maduro tu pral gagner rencontre BRICS ça que Brésil t'a préparé les mêmes pour le faire Cuba pour te faire Venezuela entrer dans BRICS là. Eh bien mauvaise chance pour Venezuela, eh bien, les rivets pas entrer là à cause de question ça parce qu'elle pas respecté promesse. Mais qui ça qui prend le film dégénéré bagayo là? C'est parce que Celso Amorim qui est conseiller principal président Lula, eh bien, opposition, défense dans le pays Brésil prend le relais pour une bonne explication sur cause de ça, accusation que Nicolas Maduro prend le fait tout de suite après Brésil pas accepter l'entrée dans Brésil. Ben le monsieur Rivel pral expliquer li di Nicolas Maduro avec tout Venezuela pas respecté ça yo te siyen li pense yo pa gen rien yo capable contribuer actuellement dans BRICS c'est raison ça qui fait Brésil pral baril ça pral faire Nicolas Maduro fâché pirède et il pral déclarer que Celso Amorim c'est agent cap travail pour impérialisme là messieurs dames ça pral faire un paquet de causes là et Maduro dit li pral attaquer yon l'autre façon. C'est ça que fait Maduro lui-même, li pral reprend citoyen là qui c'est ambassadeur qui était dans pays Brésil, li pral faire retourner Caracas monsieur dame pour retirer ambassade li dans pays Brésil. Et Maduro dit li pral attaquer yon l'autre façon, nous pas connaît. Selon oui mais qui circuler là pour jodia pour hier avec jodia, t'a gain deux avions chasse pays Venezuela qui circuler tout près frontière entre Brésil qui c'est Roraima, OK? Eh bien problème ça messieurs dames eh bien nous pour connait qui ça qui capable régler là avec citoyen ça qui dit il pral sanctionner il pral frapper l'autre gens pour j'en tape dire là selon rumeur il y a deux avions chasse
Venezuela qui a circulé tout près frontière Brésil, monsieur dame. En tout cas, n'a suivi tout ça qu'a fait, c'est pas parce que Brésil accepte n'importe bagaille, c'est pas parce que Brésil tout l'Occident, mais c'est parce que Nicolas Maduro pas accompli ça te promettre, monsieur dame. Mais c'est parce que Nicolas Maduro pas accompli toute promesse qu'il était fait pays brésilien, Lula pas capable de mettre mel dans différa là pour une qui pas respecter ça de dit messieurs dames. C'est question ça et bon question Lula c'est tout etc. Pays fait ça bon pour yo, ça qui utile communauté yo, et surtout avec pression internationale là, surtout avec pression peuple brésil là, opposition a fait là, et bien Lula obligé éviter que Maduro était dans position liée à et bien Brésil pas supporter encore messieurs dames.